Dans les voûtes qui renferment les archives oubliées, nous avons découvert que le gouvernement des États-Unis élabore une technologie mieux connue sous le nom de HAARP. Ceux qui œuvrent dans ce domaine croient que HAARP pourrait nous aider à influencer le climat. Les critiques craignent que cette technologie devienne une arme d'une destruction monumentale si elle tombait entre de mauvaises mains. Aujourd'hui, la Terre est plus instable, elle vacille plus qu'avant. L'atmosphère s'accélère et la Terre ralentit. Le noyau terrestre devient plus chaud, le nord magnétique change. Le Soleil est plus actif et plus âgé que nous l'avons cru. Tout est plus imprévisible et les hommes semblent vouloir pousser les choses à leurs extrêmes limites. C'est insensé parce qu'ils ignorent les risques. Ils jouent avec le système électrique de la planète. Nous avons besoin d'air pour survivre. Je pense que nous ne devrions pas faire quoi que ce soit pour l'endommager. HAARP est-il sûr? Oui, il l'est. Fondamentalement, HAARP est une technologie d'armes de la guerre des étoiles basée au sol. HAARP m'effraie parce que je sais ce qu'elle peut faire. C'est une technologie qui peut contrôler l'esprit humain. Non, je n'ai pas entendu parler de la guerre ionosphérique. Je ne sais même pas ce que ce terme signifie. Le regretté Carl Sagan a dit « Nous avons convenu d'une civilisation globale dans laquelle les éléments les plus cruciaux dépendent de la science et de la technologie. Nous avons aussi organisé les choses pour que personne ne comprenne la science ou la technologie. Nous pourrions y échapper pour un certain temps, mais tôt ou tard, ce mélange explosif d'ignorance et de pouvoir nous sautera au visage. » Au début du XXe siècle, Nikola Tesla, immigré serbe et inventeur de métier dont le nom a presque été oublié, propulsera notre civilisation dans une nouvelle ère. On lui doit le courant alternatif, la radio, le tube fluorescent, le contrôle à distance ainsi que la robotique. En tout et partout, cet homme aura fait breveter 700 inventions. Tesla a expérimenté des façons de contrôler le climat, de fournir de l'énergie gratuite et de protéger les États-Unis contre les attaques à l'aide d'un bouclier. Semblable au fiasco du projet La Guerre des Étoiles, HAARP, ou Programme de Recherche sur les Hautes Fréquences Boréales Actives, est la plus importante étude de Tesla. En 1985, Bernard Eastland a réclamé les brevets d'invention afin de parachever certaines notions. ARCO m'a approché en 1984 pour que je trouve une utilisation au gaz naturel qu'il ne pouvait pas vendre sur la pente nord de l'Alaska. Pour vous donner une idée de la quantité de gaz pour laquelle ils m'ont demandé de trouver une application, le gaz nécessaire pour produire toute l'électricité aux États-Unis pendant une année entière. J'ai proposé quelques applications militaires et civiles avantageuses, où le gaz serait converti en électricité et employé pour alimenter des antennes gigantesques. HAARP est une grosse antenne qui capte la fréquence radio et que nous orientons dans la haute atmosphère pour simuler le rôle du Soleil. Il suffit de concevoir l'atmosphère de la Terre, aussi baptisée l'ionosphère, comme une épaisse bulle de savon, une membrane, un bouclier électrique naturel autour de la Terre qui protège toute forme de vie d'une radiation solaire mortelle. Sans l'ionosphère, on serait grillé. Toute la vie sur la Terre serait grillée. Dans les brevets d'invention, certaines applications sont controversées. On fait mention de missiles destructeurs, de contrôle et de rupture des communications. Il y avait d'autres hypothèses pour modifier le climat ou balayer une partie de la haute atmosphère dans l'espace, dans l'espoir d'arriver à détourner la trajectoire des missiles. En orientant la fréquence radio dans l'ionosphère, nous faisons en sorte que celle-ci frappe les molécules d'atmosphère. Elle a tendance à faire bouger plus vite les particules sous-atomiques, à augmenter la température à plus de 1600 degrés, ce que fait normalement le Soleil à ses particules dans l'atmosphère. Le courant ionosphérique dresse l'état du ciel en général. Parfois, pendant une tempête magnétique, il frôle la Terre et peut faucher des câbles téléphoniques et des réseaux électriques. L'ionosphère de la Terre contient une énorme quantité d'énergie. Il y a 8000 orages qui se produisent partout sur la Terre, à n'importe quel moment.
Il y a des millions d'ampères d'électricité qui se déversent sur la Terre grâce à la foudre, et HAARP pourrait être un élément déclencheur. En 1983, j'ai procédé à une tomodensitométrie avec 30 watts pour trouver du pétrole dans le sol. J'ai trouvé 26 puits de pétrole sur une surface qui touchait 9 états et avec des résultats précis à 100%. 30 watts de puissance directement dans le roc, alors que HAARP dirige 1 milliard de watts dans l'ionosphère dans un but purement expérimental. Nous faisons des expériences et nous planifions des essais afin de détecter des tunnels souterrains. On peut modifier les fréquences ou réorienter l'antenne de façon à passer d'une partie de l'ionosphère à l'autre, ce qui nous permet d'acquérir plus de puissance que n'importe où ailleurs. HAARP peut être utile pour explorer des mines d'or ou des puits de pétrole, parce que le signal de basse fréquence peut pénétrer plus profondément dans la Terre, dans l'eau ou dans l'océan que le signal de haute fréquence. Imaginez les cordes de ce piano comme les couches de la Terre. Chacune a sa propre fréquence. Nous orientons les ondes hertziennes dans la Terre et elles font vibrer n'importe quelle corde présente dans le sol. Nous pourrions recevoir un son qui nous indiquerait que c'est du gaz naturel ou un autre qui nous suggérerait que c'est du pétrole brut. Nous serions capables d'identifier chaque fréquence de chaque couche terrestre. Nous avons accompli cela avec seulement 30 watts de puissance de rayonnement. Si on réussit avec 1 milliard de watts, les vibrations seraient si violentes que le piano entier tremblerait. En fait, la maison entière tremblerait. Les vibrations pourraient être si sévères qu'elles pourraient provoquer un tremblement de terre. Les tremblements de terre, c'est autre chose. Nous en avons eu beaucoup et aussi de nombreuses éruptions volcaniques au cours des dernières années même. Peut-être qu'il ne s'agit que d'un cycle d'événements puisque l'histoire a connu son lot de tremblements de terre et de volcans. Mais il me semble que ça se produit plus souvent et qu'il doit y avoir quelques rapports avec certaines choses que les humains font à leur planète. D'autres spécialistes se sont penchés sur la question des tremblements de terre, remontant même au travail de J.F. Gordon MacDonald, spécialisé dans la guerre géophysique. Il a affirmé que si on pouvait obtenir assez d'énergie, la parfaite fréquence et l'exacte forme d'onde, on pourrait déclencher ce genre d'événement. Pendant 50 ans, nous avons fiché des trous dans notre atmosphère avec des fusées, détruit l'ozone avec les CFC et causé d'autres problèmes sérieux en faisant des essais d'armes nucléaires. Comment cela a-t-il affecté le climat? Le consensus admet l'effet de serre. Maintenant, nous avons HAARP, un appareil de chauffage d'atmosphère artificielle. Que nous réserve l'avenir? On voit actuellement le site de HAARP en Alaska, enfin, un cinquième du site. Une fois terminé, on aura 180 pylônes comme ceux-ci. Ensemble, ils composent une seule et unique antenne. HAARP est situé à Gakona parce que la magnétosphère y est plus proche de la surface de la Terre. Ils ont besoin de cette traction magnétique pour décharger dans l'ionosphère et dans la stratosphère. Les gens d'ici n'ont rien su du projet et de la venue de HAARP, ni des modifications apportées pendant sa gestation. Le consortium d'antennes de HAARP produit 1 milliard de watts de faisceaux radio de haute fréquence qui pénètrent la basse ionosphère et agissent réciproquement avec l'électrojet auroral. Pendant cette modification, ce faisceau balaie et stimule l'ionosphère, créant des ondes mégamétriques qui peuvent se déplacer sur de grandes distances dans la basse atmosphère et pénétrer dans la Terre pour y dénicher des missiles, des tunnels souterrains et communiquer avec des sous-marins cachés. Le rôle décrit dans le brevet d'invention de 1991 serait tel que si chacun devait tirer un missile de n'importe quelle direction, n'importe où, vers un autre point sur la Terre, il intercepterait la couche correspondante et serait détruit.
Nous avons présenté ce document au cours d'un atelier, mais encore là, c'est un document de planification, et les plans tels qu'ils ont été conçus n'étaient pas inclus. C'est seulement la conception d'une personne sur ce qui pourrait se produire. Ce qui ne signifie pas nécessairement que le gouvernement l'ait endossé. L'expertise militaire l'explique comme étant une étape d'un projet à phase multiple. Il va progresser, et c'est précisément ce qui nous inquiète. Ça pourrait devenir aussi important que ce qui a été décidé dans l'étude des impacts sur l'environnement. Pas davantage. C'est le rapport de planification qui a vraiment fait naître HAARP. Les exigences sont passées d'un gigawatt, qui est un milliard de watts, à 10 milliards de watts de puissance apparente, rayonnée avec un niveau enviable de 100 milliards de watts. Il y a une limite à tout, bien que nous ne sachions pas exactement où elle se situe. Ils le reconnaissent dans leur exposé quand ils disent « Nous ignorons les résultats de l'étape suivante ». Autrement dit, on utilise l'ionosphère comme un amplificateur et comme moyen d'émission. En réalité, ce que nous faisons avec l'ionosphère est non seulement de diffuser un signal, mais aussi de l'amplifier. Nous faisons en sorte qu'il soit beaucoup plus intense, des centaines de milliers de fois plus intense qu'il le devrait. Nous émettons cet indicatif sur un grand secteur de la Terre. Ici circule ce qu'on appelle l'électrojet auroral. On y dépose l'énergie, on change l'environnement et on transforme le courant. On produit alors des ondes mégamétriques et myriamétriques. En d'autres termes, le courant ionosphérique auroral est une rivière d'électricité qui est loin au-dessus de nous. Récemment, j'ai lu dans un journal qu'ils ont l'intention de l'abaisser tout près de la Terre afin d'y exploiter une immense centrale électrique. C'est de la folie. À sa plus forte puissance, l'énergie du rayon déployée pendant une heure et demie équivaudrait à celle de la bombe à hydrogène. Des événements sans précédent ont marqué ce siècle. Le schéma du génome humain, le clonage de Dolly la brebis et l'atterrissage réussi sur Mars. Autre fait non moins important, l'accroissement de l'activité solaire des dernières années. Les éruptions, les taches et le vent solaire, autant de propos qui alimentent les conversations. Mais si le monde savait à quel point ils ont affecté notre planète, discuterait-il davantage du phénomène du refroidissement de l'eau? Le soleil n'a pas été spécialement actif au cours des dernières années. Il a un cycle de 11 ans qui atteindra son niveau maximal vers l'an 2002. Et quand il atteint ce niveau d'activité, il y a beaucoup de taches solaires et plusieurs de ces régions qui dégagent de l'énergie. Quand une éruption solaire frappe l'ionosphère de la Terre, elle embrouille les communications radio. La raison est simple. Quand il y a des perturbations dans l'ionosphère, nous ne pouvons pas communiquer avec nos satellites. HAARP n'agit pas sur les communications mondiales. Le soleil provoque des changements dans l'ionosphère. Nous ne pouvons que deviner. Nous ne connaissons pas les effets du soleil sur l'ionosphère. Ce que j'ai dans les mains est une lampe à décharge sans électrode, contenant un gaz troposphérique, un peu semblable à l'atmosphère de la Terre. Je vais maintenant le placer dans un four à micro-ondes et l'irradier avec 1 watt par centimètre carré. Avec seulement 1 watt, on obtient le milieu nécessaire pour fractionner l'air, peu importe ce qui arrive. On peut voir tout le mouvement dans le plasma. C'est caractéristique de ce qui arrivera à haute altitude, là où l'ionosphère est irradiée par ses grands rayons. C'était 1 watt par centimètre. HAARP concentre 3,6 millions de watts et les comprime dans un rayon d'un milliard de watts, 1 gigawatt. Nous comprimons les mégawatts dans un rayon étroit. Ensuite, dans un espace minuscule, on peut créer ce qu'on appelle un gigawatt effectif. Pour ce qui est d'injecter des particules d'énergie plus haute dans le système électrique de la Terre, l'ionosphère est un système dynamique, toujours en mouvement et en transformation. Je ne pense pas que quiconque sur cette planète sait vraiment quand s'arrêter.
Ça prend une quantité minuscule d'énergie pour en libérer une somme énorme. C'est la même chose qu'une balle de fusil. Derrière la balle, la gâchette évacue une minuscule quantité d'énergie, mais elle déclenche une grande puissance dans la balle elle-même. On peut placer une très petite pile dans une lampe stylo et l'allumer pour obtenir pendant quelque temps un peu de lumière. On peut prendre la même pile et la mettre dans un appareil photo. Et quand on appuie sur le bouton, la lumière est aveuglante. La structure du radar fait en sorte que ces réserves électromagnétiques peuvent subir une impulsion. L'impulsion n'a pas d'importance. La Terre est une suite d'interconnexions. Comment savoir ce qui se produit quand nous faisons éclater la haute atmosphère avec une énorme quantité d'énergie? HARP n'a pas d'effet sur la Terre. HARP joue avec le système énergétique de la Terre. Je ne pense pas que les gens qui ont développé HARP étaient même conscients de cette science ou de son impact sur la vie. Aujourd'hui, nous savons davantage à quel point les plus petites actions peuvent bouleverser la santé et le sort d'un être vivant. C'est possible, à l'aide d'un grand pylône, de prélever une partie de la haute atmosphère et de l'amener plus loin. Aussi, en remontant l'ionosphère, la basse atmosphère se précipite et remplit le vide, transformant le climat. Les articles sur HARP relatent qu'en soulevant une partie de l'ionosphère, le vide créé peut guérir rapidement. Mais qu'arrive-t-il si cela engendre de nombreux vides qui ne peuvent pas être comblés à temps? Ils ne semblent pas vouloir prêter attention à ce qu'il advient de l'ionosphère si cette haute antenne d'énergie la retient à 130 km dans l'espace. Il y a un réchauffement et toutes les molécules de cette région ionosphérique absorbent l'énergie qui provient de cette antenne radio. Et s'ils trouvent la fréquence exacte pour la repousser dans l'espace, cette énergie peut se décharger hors de l'ionosphère, revenir à l'antenne radio et frapper la Terre. Quant à moi, la création d'un vide est l'analogie de mettre la main dans l'eau. C'est vrai, on occupe l'espace, mais quand on la retire, tout se remet en place comme avant. Si un vide signifie que la densité neutre a quelque peu été modifiée, si on veut appeler ça un vide, peut-être que c'est vrai. J'imagine des centaines de satellites qui ont des interactions avec l'ionosphère. Ils apportent tous leurs propres modifications de l'ionosphère. Chacun crée son propre vide. D'ailleurs, non seulement HARP, mais les satellites, les fusées, les vols de navettes spatiales, de nombreuses technologies de l'espace créent des trous dans le ciel. Le vide serait d'au moins 50 km, plus de 800 mètres de profondeur et se trouverait entre 80 et 100 km au-dessus de la Terre. Que serait la science sans la découverte? Tesla s'est décrit non comme un inventeur, mais comme un découvreur. Mais avec la découverte vient la responsabilité. Tesla le savait quand il a développé la technologie HARP, et plusieurs pensent que sa crainte de ce qui pourrait se produire si HARP tombait entre de mauvaises mains l'a motivé à camoufler sa découverte. Ce que nous savons vraiment des systèmes et de la guerre électromagnétique devient de plus en plus intéressant. Le 28 avril 1997, Cohen, le secrétaire à la défense américaine, a annoncé à l'Université de la Géorgie qu'en fait la guerre géophysique devenait un problème plus intense. Ils ont même spéculé que des organisations terroristes auraient des systèmes qui pourraient modifier le climat, créer des éruptions volcaniques et même des tremblements de terre en employant des ondes électromagnétiques. Après avoir quitté le programme en 1987, une des dernières communications que j'ai eues avec ARCO a indiqué qu'il y avait eu un contrat attribué pour évaluer la guerre ionosphérique. Ce document de l'armée de l'air envisage l'utilisation de technologies d'armes électromagnétiques pour affaiblir les êtres humains. En employant la guerre électromagnétique contre des êtres humains, on peut provoquer la maladie, l'hystérie ou le contrôle de la population.
Les fréquences extrêmement basses nous affectent parce qu'elles sont les mêmes que celles produites par notre cerveau. Et quand elles se retrouvent dans notre environnement, notre cerveau essaie d'imiter ces signaux. Si ces signaux ne sont pas bons pour nous, nous risquons de perdre pied. Nous pouvons nous comporter différemment ou tomber malade. Nous pouvons nous sentir très angoissés sans savoir pourquoi. Au cours de ma recherche, j'ai découvert des symptômes associés aux fréquences électromagnétiques. L'inquiétude, la dépression, la diarrhée, la fatigue extrême, les maux de tête, les étourdissements, les sautes d'humeur, la nausée, l'augmentation du besoin d'uriner pendant la nuit, la hausse soudaine des pulsations, des essoufflements, des picotements sur la peau, des vertiges, des saignements de nez, une augmentation de la tension et des tremblements. Il y a le danger de causer le cancer ou de perturber la structure génétique des cellules. Il existe la possibilité d'occasionner des dégâts permanents, des dommages mutagènes aux futures générations, ou de causer des dommages à très court terme, comme d'entraîner l'altération des cellules de quelqu'un qui mourra des suites d'une hémorragie. J'ai découvert que de tous les gens qui m'écrivaient et m'appelaient de tous les coins du pays et qui éprouvaient un ou plusieurs symptômes, chacun d'entre eux vivait près d'un émetteur. La fabrication des armes change si radicalement en ce moment que ça équivaut à l'introduction de la poudre à canon dans l'Ouest ou au commencement de l'âge atomique. Voilà ce qui se passe avec les armes électromagnétiques. Les laboratoires Philips sont les principaux laboratoires de l'armée de l'air pour la recherche spatiale. Et cela implique des choses comme HARP, ou l'étude de l'ionosphère. Nous examinons tout ce dont l'armée de l'air a besoin, y compris les armes utilisées dans l'espace. L'une d'elles est de développer des projectiles faits de plasma dans l'atmosphère des étoiles et d'être capable d'exploiter cette énergie pour la renvoyer vers une cible. La guerre électromagnétique peut aussi être employée en concordance avec la guerre ionosphérique. Non, je n'ai pas entendu parler de la guerre ionosphérique. Je ne sais même pas ce que ce terme signifie. HARP prétend qu'il ne produit pas d'armes. HARP ne peut pas être employé comme une arme. Certains de nos critiques ont soutenu que HARP en est seulement à ses débuts et qu'il pourrait devenir un arsenal important. C'est faux. Bien des gens ne sont pas conscients du fait qu'il s'agit d'une technologie qui appartient à l'ère de la guerre des étoiles. Mais elle est basée au sol et le Congrès des États-Unis a dit qu'il cessait de financer cette opération. Il lui donne tous les noms afin d'obtenir du financement. Je ne sais pas si c'est une répercussion de la guerre des étoiles. Dans les années 80, l'art de la technologie militaire s'appelait la guerre des étoiles. Mais à partir des années 90, ce sera la guerre électromagnétique. On ne m'a jamais demandé si c'était une répercussion de la guerre des étoiles. En lisant les brevets d'invention, j'ai pensé à des façons de l'utiliser pour la défense. L'une d'elles était un dispositif anti-satellite, où on aurait pu fabriquer des électrons dans l'espace et frapper un satellite. Ça aurait pu servir autant pour l'offensive que pour la défensive. Nous aurions pu détériorer les communications de l'ennemi en sauvegardant les nôtres. C'est l'un des fondements contenus dans le document technique de HARP. Il n'y a jamais eu d'intention de construire quoi que ce soit en rapport avec ce que M. Eastland avait proposé dans son brevet d'invention. Il y a plusieurs stations HARP, mais la plus grande et la plus puissante est située en Alaska. Du côté positif, les scientifiques prétendent que HARP peut aider à sauver le climat. Les critiques prétendent que le programme vise à passer la planète au peigne fin afin d'y découvrir des richesses comme du pétrole ou de l'or. Alors, il y a ceux qui croient que HARP est strictement militaire, avec un superbe système de communication sophistiqué qui a le pouvoir d'interagir avec des sous-marins cachés ou, s'il est employé comme une arme, est capable de changer les impulsions électriques du cerveau humain. Est-ce possible ? Nous sommes entourés et bombardés par des millions de mégawatts d'énergie naturelle parce que du soleil souffle un vent qui atterrit sur notre planète. Comme la Terre est un aimant géant, un champ magnétique appelé la magnétosphère nous protège. Les brevets d'invention originaux de HARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. C'est intéressant de comparer les humains et la Terre. La Terre est semblable à un champ magnétique et les humains produisent aussi un champ magnétique, particulièrement au niveau du cœur et du cerveau.
Chaque cellule de notre corps a une substance magnétique puissante, la magnétite, qui répond avec sensibilité aux champs magnétiques de notre environnement. Si HARP change la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre et tout ce qui se trouve autour, cela aura évidemment un effet sur notre santé et sur notre physiologie. Mais ce même genre de signal, qui émet à la même fréquence, peut affecter l'humeur humaine. Le cerveau humain fonctionne sur des fréquences très basses. Par exemple, quand nous nous concentrons, nous produisons environ 13 à 14 cycles à la seconde. Quand nous méditons, nous produisons 8 cycles à la seconde. Et quand nous dormons, les ondes cérébrales défilent environ 4 cycles à la seconde. Et HARP est capable de produire toutes ces fréquences. Ces signaux peuvent contrôler le cerveau humain, et si on ne peut pas contrôler ces fréquences et ces multiples dans diverses combinaisons, on peut contrôler toutes sortes d'émotions. On pourrait engendrer de la joie, ou de la tristesse, ou l'humeur qu'on désire. Nous sommes plongés dans les ondes mégamétriques, et d'après ce que je sais, elles nous affectent peut-être. Mais ces ondes sont si minuscules si on les compare à celles-ci. La controverse qui entoure les ondes mégamétriques, des fréquences extrêmement basses qui affecteraient l'état mental des individus, n'est pas nouvelle. Elle remonte au travail de José Delgado à l'université Yale. Il a commencé à employer des implants et finalement il a constaté que l'énergie à 1/50 de ce que la Terre produit naturellement pourrait déclencher des sauts d'humeur énormes. Je connais la réaction physique, mais pas la réaction biologique. On a estimé que j'étais un enfant prodige en électronique. Ma vie entière a été consacrée à l'étude de l'effet de l'énergie électromagnétique sur l'esprit humain. Quand j'avais 13 ans, j'ai inventé un dispositif qui transmet le son au cerveau à l'aide d'ondes électromagnétiques. Donc c'est mon domaine. J'ai mené des recherches pendant plus de 40 ans et HARP m'effraie parce que je sais ce qu'il peut faire. Je sais que HARP peut être employé pour contrôler l'esprit humain. Je ne suis pas certaine que les gens impliqués dans HARP sont conscients que les humains sont composés d'énergie, que les champs d'énergie terrestre et les humains sont étroitement liés. Je ne comprends même pas ce que vous entendez par énergie. Qu'est-ce que ça signifie? Les humains sont comme des boules d'énergie. Nous sommes composés d'électricité et d'énergie magnétique, tout comme la Terre. Les humains sont-ils composés d'énergie? On dit pourtant que nous sommes constitués d'eau à 90% et que le reste est électrochimique. Alors, c'est une forme d'énergie. Tous les êtres vivants sont extrêmement sensibles à certains niveaux les plus bas d'énergie. Comment la vie peut-elle être si sensible aux plus minuscules quantités d'énergie? Parce que c'est comme ça que nous sommes biologiquement programmés, en vertu des échanges minuscules d'énergie dans notre corps qui viennent aussi de la Terre. Il y a des stations de télé qui transmettent 5 millions de watts sur nous. Quand je dis « nous », je veux dire que le signal est horizontal et que nous en sommes balayés. HARP transmet en haut et nous n'en sommes pas immergés le moins du monde. Les enfants qui regardent la télévision couleur me préoccupent plus que le fait de recevoir des rayons qui émanent de HARP ou d'un autre appareil. Et de nos jours, je pense qu'il y a autre chose qui est bien connue, et c'est le danger du téléphone cellulaire. De temps à autre, quand il y a une panne de courant, la plupart des personnes peuvent percevoir une sorte de relâchement. La minute où l'électricité s'en va, ils ressentent une relaxation intérieure, un soulagement de la tension. Semblable à celui qu'amènent les ondes électromagnétiques, et quand le courant revient, les tensions reviennent. Nous nageons dans un océan d'énergie. Nous sommes dans une mer de gaz, une mer de particules chargées, et elles se déplacent constamment comme un courant dans l'océan, comme les courants que forme le vent dans l'atmosphère. Et nous attirons ces particules. Wilhelm Reich a attiré ces particules. Il s'est adressé au ciel et il a dit « Vous voulez que les nuages soient construits à cet endroit ?» Il dirigeait le dispositif à cet endroit et les nuages se formaient là. Depuis les années 40, il y a eu un intérêt pour les changements climatiques, puis des essais dans ce secteur. Dans les années 60, ce secteur avait avancé considérablement.
Nous voyons de plus en plus de désastres. Il suffit de regarder les nouvelles et de tenir compte de ces choses. On ne peut pas prendre son Prozac, oublier et constater le jour suivant que la vallée de la rivière Ohio a été inondée. Des milliards de dollars de dégâts, des milliers, des dizaines de milliers de gens sans abri et ils prétendent qu'ils peuvent manipuler le climat. Alors dites-moi, avez-vous remarqué qu'il ait fait beau ici récemment? Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de technologies, non seulement HARP, mais des satellites et d'autres appareils réchauffent l'ionosphère, placés dans des endroits stratégiques partout dans le monde, et ils peuvent créer des perturbations. Si cette onde hertzienne rayonne dans l'ionosphère et qu'on continue à la charger, on envoie non seulement l'énergie dans l'ionosphère, mais on fournit un chemin à l'énergie pour qu'elle revienne sous l'ionosphère. Autrement dit, il pourrait créer une décharge massive de foudre plus grande que tout ce que nous avons vu sur cette planète. Une fois qu'une dérivation solaire se forme et que l'ionosphère décharge, les électrons et l'énergie viendront de partout dans l'ionosphère à ce point précis. Et ils frapperont le sol dans un axe 100 fois plus grand que n'importe quel axe de foudre imaginable. Il faut reconnaître que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais chaque fois qu'on l'expérimente, on court des risques avec de grandes sommes d'énergie. Et il faut envisager le pire des scénarios, et celui-ci pourrait l'être. Chacun doit se rappeler que la Terre est un organisme vivant, de nombreux organismes vivants, et que les choses changent. Ne pas changer, c'est mourir. Je crois que nous sommes tous électriquement unis. Et ainsi, quand on commence à jouer avec l'électricité, tout est influencé. Les animaux sont excessivement sensibles à l'énergie électromagnétique. HARP n'affectera ni les animaux ni les oiseaux. C'est dans la déclaration d'impact environnemental. Ce que j'ai entendu dire à propos de HARP est qu'il peut faire un trou dans l'atmosphère. Et cela pourrait déranger la migration et venir chambarder la vie d'un village qui dépend des oiseaux pour subsister. Ils ne devraient même pas construire cet appareil s'ils ne savent pas ce qu'il peut causer. Car s'ils détruisent la Terre avec HARP, qu'en penseront-ils alors? Je crois que ce qui m'effraie le plus, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font seulement des essais. Nous ne connaissons pas les résultats. Nous expérimentons. Quand on dit « ça ne s'est jamais fait », il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été expérimentées, et ça ne signifie pas qu'il faille le faire tout de suite. Personne ne nous a braqué une arme sur la tempe pour voir ce qui arriverait. À maintes reprises, nous avons expérimenté diverses choses, et ça n'a pas eu le résultat escompté. Sur Bikini, nous avons assisté au premier essai de la bombe à fusion. Et le fabricant de la bombe pensait qu'elle équivaudrait à 7 mégatonnes de puissance explosive. Elle s'est avérée en posséder 15,4 mégatonnes. Le RIL a été beaucoup plus contaminé que prévu. Et la radiation a contaminé l'océan. C'est comme le DDT. Vous souvenez-vous? On nous avait dit que c'était inoffensif. Et ils ont déambulé dans les rues à bord de camions qui ont vaporisé du DDT sur des écoliers pendant qu'ils mangeaient. Tandis que nous devrions étreindre et non pas craindre l'apparition des nouvelles sciences, des catastrophes comme celle de Three Mile Island, Tchernobyl et Hanford nous ont appris que nous devons savoir quand retenir le génie dans la bouteille. Est-ce que HARP est sûr à 100%? Je ne pense pas que je considérerais n'importe quel ensemble émetteur comme étant sûr à 100%. Nous l'avons fabriqué pour qu'il soit le plus sûr possible. Il n'y a aucune norme parce que nous n'avons aucune notion particulière de comment la Terre et la vie œuvrent ensemble.
Quand on regarde la Terre elle-même, on songe à sa façon de libérer l'énergie naturellement. Ce que nous savons des tremblements de Terre depuis plus de 30 ans est qu'ils augmentent en profondeur, en fréquence et en intensité. Ce que chacun sait au sujet des modèles météorologiques, c'est qu'ils passent par des changements dramatiques imputables à plusieurs facteurs. On peut également regarder les fluctuations des marées dans la mer du Nord, qui se sont fortement accrues. Tout ça indique que l'énergie s'échappe et qu'au milieu de cette libération naturelle d'énergie, nous allons injecter des milliards de watts de puissance dans les lignes de force du champ magnétique. Quel sera le résultat? Ils ne le savent pas vraiment. La déclaration d'impact environnemental a été financée par l'armée de l'air et la marine, par les gens qui dirigent le programme. La sécurité est la principale précaution. Sécurité de l'aviation, de la radiofréquence. La déclaration d'impact environnemental est le document maître. Et chacun qui se soucie de l'environnement doit venir nous voir. Il doit nous le faire savoir. En dehors des autorités militaires, il n'y a aucun comité scientifique indépendant impliqué dans ce projet pour en étudier les impacts. Nous pensons que c'est un programme très restreint, dans le sens que la plus grande partie est conduite par les militaires. Ceux qui gèrent les budgets gèrent le programme. La recherche militaire a une visée. Je dirais que la recherche médicale en a une autre, et pour la plupart, ces deux groupes ne se parlent pas. Il y a un certain nombre de scientifiques, comme moi, qui se préoccupent de cela, qui craignent ce que HARP peut faire à la planète, non seulement en termes de contrôle de la pensée, mais au sujet des changements climatiques, des transformations terrestres, des tremblements de terre, toutes ces choses-là. Et nous devons tous nous unir. Nous devons entrer en contact les uns avec les autres sur l'Internet. Nous devons discuter de cela, et les scientifiques doivent contacter les représentants du gouvernement et leur dire ce qu'ils en pensent. Nos critiques ont parlé de HARP et de certains problèmes qu'ils perçoivent. Si quelqu'un, n'importe quel groupe ou individu est concerné, ils sont le bienvenu sur le site. Ils sont invités à réunir une équipe indépendante d'experts pour venir sur le site et passer en revue ce que nous faisons. Nous n'avons absolument rien à cacher. Nous devons amener des gens de toutes les conditions sociales à étudier les impacts probables de cette technologie. Nous ne connaissons pas les effets. Je suis inquiète parce que les gens qui comprennent que la vie est un tout ne sont pas les gens qui prennent les décisions au sujet de ces expériences sur notre ionosphère. L'air que je respire est le même que chacun respire. L'eau, l'air et la terre, c'est la vie. Faisons ce que nous devons faire pour la protéger. Comme organismes vivants, nous sommes accessibles et nous ne pouvons pas tirer une ligne entre là où s'arrêtent nos limites et là où celle du domaine du non-être commence. La Terre est un organisme vivant. Elle n'est pas à l'extérieur de nous. C'est une partie intime de ce que nous sommes et quand nous la détruisons, nous nous détruisons nous-mêmes. Si quelqu'un a un problème, qu'il nous le fasse savoir. Et s'il s'agit de quelque chose que nous aurions dû déclarer, bien sûr, nous le dirons très haut. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens ne font pas confiance au gouvernement. Et ils ont raison, parce qu'à plusieurs reprises au cours des dernières années, on ne leur a pas dit la vérité. Le système électrique de la planète n'est pas là pour que nous l'exploitions au profit du ministère de la Défense. Il fait partie d'un tout, de l'harmonieuse organisation interreliée qui supporte toute la vie sur cette planète. Ce n'est pas à moi de décider s'il s'agit d'une dépense convenable pour les contribuables. Ce n'est pas de mon ressort. Si le Congrès nous donne les fonds, évidemment, ils doivent croire que c'est convenable. Aux gens du gouvernement qui me disent souvent qu'ils suivent seulement les ordres, ma réponse est celle-ci. Heinrich Himmler aussi suivait seulement les ordres. Ah.
HARP est prévu pour être entièrement opérationnel en 2002. Nous venons d'entendre les ingénieurs électriques, les physiciens atmosphériques et les biophysiciens du programme, ceux qui semblent très préoccupés, tous ceux qui veulent le bien pour la science et l'humanité. Le gouvernement fait-il tout ce qu'il peut pour assurer la sécurité de notre monde? Nous investissons des milliards de dollars dans cette technologie et la question est de savoir où tout cela finira-t-il. Nous avons déjà dépensé environ 3 billions de dollars dans l'aventure nucléaire. Ça n'a aucun sens de tirer davantage de HARP. Il est supposé être destiné à la recherche, c'est tout. Bien que HARP soit encore modeste, chaque grand programme d'armement l'était à l'origine. Nous le réalisons 50 ans plus tard. Dans ce cas-ci, nous le découvrons au début, et c'est le moment de prêter attention à cette technologie et de décider quelle direction nous voulons prendre et si cela s'avère nécessaire immédiatement. HARP n'est pas une menace, c'est un bienfait. Les militaires ont des plans très distincts et posent des questions différentes de celles des scientifiques intéressés par les retombées médicales ou la guérison de la planète. Nous savons aussi qu'il y a d'autres fréquences très spécifiques qui diffèrent de celles des enjeux de la guerre et qui peuvent accélérer la guérison naturelle de nos corps. Ce n'est peut-être pas la Terre qui mourra, mais nous ne serons pas capables de supporter la vie humaine sur cette planète si nous continuons à multiplier les éléments technologiques déstabilisateurs. Si nous ne nous levons pas au nom de nos convictions, au nom de nos enfants, nous ne faisons pas notre devoir. Peut-être que la vraie sagesse se trouve dans la connaissance de nos limites et que même les lois de la nature sont incertaines. Face à cette technologie, nous sommes à nous demander si ces expériences mettent en danger notre survie à long terme. Choisir le sexe de nos enfants, cloner, modifier le climat, tout ça viendra bientôt. Mais au moment d'arriver à comprendre les principes de base de l'existence, comment nous protégeons-nous contre nous-mêmes ? Par exemple, nous ne savons pas combien d'ogives nucléaires flottent autour de l'Europe de l'Est. Et il s'agit d'une technologie qui date de 50 ans. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas finir ma vie dans un pareil endroit. Je vous ai parlé des catacombes qui abritent les archives oubliées.